D'accord, merci bien pour ces mots aimables, grand frère Matt. Alors, on me demande d'identifier les acteurs clés de la sécurité nationale. Comment est-ce que nous allons établir les, la concertation et la collaboration entre ces, les différents acteurs euh, Il a déjà fait la liaison avec les sciences précédentes, je ne reviens plus là-dessus. C'est comme si on me demande qui fait quoi quand on parle de sécurité nationale. Moi, je commence d'abord par dire, cela est ressorti ici, et il y a le rôle central de l'État. Le rôle central de l'État. Et pour mieux comprendre la notion de sécurité nationale, moi, je crois qu'il faut l'aborder sous l'angle des responsabilités de l'État. La fonction régalienne de l'État. Parce que la finalité de toute stratégie de sécurité nationale est de défendre la population et le territoire. Et cela, bien sûr, relève du devoir et de la responsabilité premier de l'État. Il est donc de rappeler alors que le concept de sécurité est à l'origine de la théorie donc, euh, moderne de l'État, avec l'émergence de l'État-nation. Il faut savoir que depuis le traité de Vespalie, en 1648, où les nations européennes ont commencé à définir les territoires, où les nations européennes ont compris qu'il fallait arrêter de se faire la guerre et, créer des États-nations, créer des frontières, et ce qui a amené donc, euh, le socle donc, du droit international qui fait que chaque pays a un territoire, une population. Et ce concept donc, a fait corps avec l'État. L'État qui est l'incarnation des intérêts collectifs de la communauté nationale. Toutes les composantes de la communauté donc, essaient de prêter allégeance à l'État et qu'ensemble, ils puissent donc, défendre cette, euh, ces intérêts communs. La stratégie de sécurité nationale est devenue dès lors une entreprise nationale d'abord, une entreprise qui est transversale, une entreprise qui englobe toutes les composantes de la société et qui revêt un caractère, je tiens à le dire, éminemment politique. La stratégie de sécurité nationale est une entreprise politique. Et à cet ensemble, à cet ensemble donc, concours des stratégies, si vous voulez ou des politiques sectorielles qui, qu ensemble, donc, font la sécurité nationale. Le deuxième point que je disais dans l'introduction, c'est la prise en compte effective des acteurs clés. Comme l'a dit le Dr Matt, cette prise en compte, depuis les phases initiales de l'élaboration de la stratégie, jusqu'à sa mise en œuvre, revêt un caractère important. Donc, je vais, dans cette présentation qui va durer 25 à 30 minutes, j'essaierai d'être vraiment bref, d'identifier, j'ai tenté d'identifier les acteurs les de la sécurité, leur rôle et leurs responsabilités, et mener des réflexions sur comment nous allons pouvoir renforcer une plateforme pour la concertation et la collaboration et aussi faire une esquisse pour voir quels sont les défis que nous pourrons être confrontés donc, dans le développement de, de la stratégie de sécurité nationale. Donc, le premier point, quels sont les acteurs clés de la sécurité nationale Alors, je commence par les acteurs étatiques. Je vais d'abord préciser ici, avant donc de rentrer dans le plein du sujet, que chaque pays a son organisation propre de l'État et du fonctionnement de ses institutions. Cela est très important, il faut que nous acceptions ça déjà. Et que dans ce domaine, il n'y a pas de normes qui vaillent. Il n'y a pas de normes qui vaillent, ce qui vaut pour le Maroc ne pas valoir pour le Burkina. Donc, euh, il faut noter cela. Mais tout ce que je sais, nous devons pouvoir nous inspirer des expériences des autres. Parce qu'on ne peut pas inventer la roue. La roue tourne, elle va continuer de tourner. Il faut simplement pouvoir donc tirer profit des expériences des autres. Mais je dirais que dans la plupart de nos constitutions en Afrique, je ne les ai pas toutes lues, mais c'est qu'il y a des provisions qui stipulent que c'est le gouvernement qui est le seul responsable pour élaborer. Et mettre en œuvre les politiques nationales. Pour une lecture comparée que j'ai faite, et au niveau de la Constitution du Mali, c'est l'article 53. On peut me corriger si des Maliens sont là. La Constitution, donc de février 92, qui stipule donc que c'est effectivement donc le gouvernement qui est le seul responsable. Et ils vont plus loin pour dire que chaque ministre, chaque ministère doit développer et mettre en œuvre la politique nationale de son ministère. Donc, d'une manière générale, on est tous d'accord que la stratégie de sécurité nationale est souvent, est très souvent initiée par l'exécutif, par l'exécutif, sous la responsabilité technique des départements chargés des questions de défense et de sécurité, ou de l'organe chargé de coordination de la sécurité nationale. Cependant, il y a des règles, il y a des règles où c'est le, le législatif qui est le catalyseur principal. Et je prenais quelques exemples. Je sais qu'au Niger, par exemple, c'est le bureau du Conseil du conseiller de la sécurité nationale qui est responsable de l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale. Et au Mali, c'est le ministère de l'Intérieur et de la Protection Civile qui a élaboré la stratégie de sécurité nationale. En Afrique du Sud, je sais que c'est le ministère de la Défense, épaulé par euh, une équipe euh, euh, parlementaire qu'ils ont surnommée le comité parlementaire conjoint sur la défense. Voici les deux entités qui ont développé donc le livre blanc sur la défense nationale donc de l'Afrique du Sud. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de il n'y a pas de normes. Chaque pays donc par rapport à ses responsabilités, par rapport à ses, euh, à ses réalités, développe sa stratégie. C'est normal. Mais ce qui est par contre ce qui est par contre euh, commun, c'est le noyau dur des ministères. Il y a un noyau dur des ministères qui est concerné par la stratégie de sécurité nationale et ce noyau dur est souvent composé des ministères dit de souveraineté. Les ministères dit de souveraineté, c'est les ministères généralement qui disposent, qui ont à leur disposition les éléments du pouvoir. Je pense que cela a été abordé ici, et je pense que c'est Mariano qui a parlé de ça, les éléments du pouvoir, et que vous savez très bien, il y a, il y a la diplomatie, il y a l'information, le militaire, et puis euh, l'économie. Donc généralement, les ministères de la Défense, les ministères des Affaires étrangères, les ministères de l'économie et des finances, pour des raisons que vous connaissez très bien, l'administration du territoire, voici des ministères de souveraineté, voici des ministères qui jouent un rôle clé dans toute stratégie de sécurité et nationale. Mais bien sûr que le cercle s'élargit avec des ministères comme l'environnement, la justice, les transports, l'information, la communication, selon donc les menaces à l'intérêt national de chaque pays. Un deuxième acteur très important, le législatif, l'Assemblée nationale. L'Assemblée joue un rôle dans la sécurité nationale de par ses prérogatives constitutionnelles. Vous savez très bien, l'Assemblée, c'est voter les lois, mais il ne fait pas que légiférer. Il doit, il doit participer à l'élaboration et à la supervision pendant la, pendant la phase de mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale. Il intervient souvent donc à travers une commission, la commission chargée des questions de défense et sécurité, et aussi la commission des affaires étrangères et de la coopération. Et souvent, donc, parmi les, les, les acteurs étatiques, il y a une équipe pluridisciplinaire composée de personnes de ressources, comme vous savez. Et la sécurité étant transversale, nous pouvons avoir donc des enseignants chercheurs, des chercheurs, des sociologues, des, des politologues, des anthropologues, et ainsi de suite. Tous ces éléments sont extrêmement importants pour l'élaboration de la stratégie. Maintenant, je viens aux acteurs non étatiques. Et je dirais que d'abord, la complexité et le caractère transversal des questions sécuritaires exige la participation des acteurs non étatiques. Je peux le dire, pas du tout exhaustif. Et dans les phases de consultation, nous avons d'abord un premier élément les partis politiques. Les partis politiques jouent un rôle clé. La stratégie doit être, doit être la réflexion de toutes les tendances politiques. Parce que c'est. Ce n'est pas le parti au pouvoir qui, qui doit pouvoir définir les intérêts de la nation, mais tous les partis politiques doivent être associés. On doit consulter les chercheurs indépendants, les think tanks, le secteur privé, les opérateurs économiques, les organisations de la société civile. Et je reviendrai sur les organisations de la société civile, les ONG, les partenaires techniques et financiers, les autorités coutumières et religieuses. Et je me rappelle bien ce que le docteur Luca a euh, dit a dit lors de sa présentation l'importance, comment est-ce que les organisations donc traditionnelles ont survécu à tous les conflits au, au Sud-Soudan. Donc voici des éléments sur lesquels nous devons absolument prendre en compte comme acteurs quand on va élaborer et mettre en œuvre la stratégie. Dans la phase de mise en œuvre, dès que le document est élaboré, alors la mise en œuvre de la stratégie est conçue et moulée dans une architecture. Chaque pays a une architecture qui répond à des objectifs. Les objectifs, donc, que la stratégie s'est fixée. Et d'une manière, manière générale, cette architecture en Afrique comprend les institutions suivantes. Mais comme je l'ai dit encore, les institutions pourraient varier selon le contexte et les pays. Mais généralement, nous avons le Conseil suprême de la défense, dont la composition varie selon les pays, comme je l'ai dit. Et généralement, le président de la République... Et généralement, le président du conseil et il regroupe autour de lui les ministères dits de souveraineté et d'autres ministères qu'on estime nécessaire d'associer donc à la stratégie nationale. Après le conseil suprême de la défense, dans le conseil de sécurité nationale, le conseil de sécurité nationale est aussi souvent et très très souvent coiffé par le président de la république, mais c'est une structure nettement plus légère que le conseil national de défense. Alors, encore une autre structure, c'est la coordination de la sécurité nationale. C'est extrêmement important. Beaucoup de pays n'ont pas encore mis en place cette structure. Mais je sais qu'au Ghana, il y a une structure de ce genre. Et il y a d'autres qui ont une agence de sécurité nationale, je crois comme au Nigeria, et comme aussi aux États-Unis ici. Et enfin, il y a la communauté donc, de services de renseignement, de, service de renseignement, qui joue un rôle clé dans, dans la stratégie. Je viens donc aux organes de supervision et de contrôle. Là, je vais parler de l'Assemblée et des organisations de la société civile. Parce que quand on parle de stratégie, on voit déjà l'armée, on voit déjà et donc, et les forces paramilitaires. Alors qu'il y a des acteurs et vraiment qui ne portent pas la tenue et qui jouent un rôle vraiment très très important. L'Assemblée nationale, comme je l'ai dit dans tous les pays, il légifère, c'est vrai. Mais il supervise surtout la mise en œuvre des politiques, des politiques gouvernementales. Et ce qui nous concerne ici est le secteur de la défense et de la sécurité. Et nous avons la chance d'avoir un président de la commission défense et sécurité, quelques présidents ici. Et je crois que, voilà, l'honorable député. Et comme je l'ai dit plus haut, l'Assemblée peut, dans ses prérogatives, faire des enquêtes parlementaires. Si quelque chose ne va pas dans le statut de sécurité nationale, voici des gens qui peuvent faire une enquête et interpeller. Interpeller, interpeller le ministre de la Défense, interpeller qui que ce soit pour pouvoir répondre à des questions. Ils peuvent effectuer des visites de terrain, aller dans les casernes pour voir les conditions de vie des soldats, pour voir comment, que, dans quelles conditions les gens euh, travaillent et exécutent leur mission dans le cadre de la sécurité nationale. Ils peuvent faire des missions d'information, et comme je l'ai dit, à travers donc des questions orales, pouvoir interpeller qui que ce soit. Mais, mais malheureusement, dis, il faudrait de constater que dans beaucoup de nos pays, le législatif est très timide et très timoré quand on parle de sécurité nationale. On a l'impression que c'est les militaires qui les intimident, alors que plus, euh, moi je crois plutôt que c'est eux-mêmes qui se, qui se, qui se mettent dans une position où ils pensent qu'ils doivent caresser l'exécutif dans le sens donc, des poils. Et cela n'arrange pas la sécurité, cela n'arrange pas la transparence, cela n'arrange pas la gouvernance du secteur de la sécurité. Je crois que euh, les assemblées gagneraient à être plus, je euh, dirais, plus. Euh, j exigeante envers donc les questions de sécurité nationale. Au lieu d'être là, vous êtes des caisses de résonance, des partis majoritaires. Non, il n'y a pas que ça. Et les questions de sécurité nationale, les assemblées ont peur de toucher à cela parce qu'ils pensent qu'il y a le secret confidentiel, et il faut faire attention. Non, je crois qu'il ne faut pas vous, vous faire des limites. Il faut y aller. Il y a les organisations de la société civile et les médias. Nous sommes dans une Afrique aujourd'hui qui est en pleine évolution démocratique. La société civile et les médias sont des acteurs incontournables dans le développement et la mise en œuvre de toute politique publique. Dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale, je peux vous le dire, ils doivent être à l'avant-garde de la lutte contre la mauvaise gouvernance et les dérives autoritaires et répressives des gouvernants. Ils jouent ainsi un rôle crucial dans l'enracinement de la démocratie et la promotion de la sécurité humaine. Je m'arrête là encore pour donner un exemple. Quand il y a eu le coup d'État au Burkina Faso en 2015, ce n'est pas l'armée qui a arrêté le coup, qui a fait échouer le coup. C'est la société civile qui a mobilisé la population avec, des, avec un deuxième plan, les partis politiques. Mais le premier rôle, c'était la société civile et sans armes. Sans armes. Comment nous pouvons laisser des partenaires comme ça à côté Non, nous sommes obligés de les prendre en compte dans nos stratégies et dans tout ce qui est sécuritaire. Les OSC les médias constituent indéniablement de nos jours des acteurs importants à prendre en compte. Alors, ils peuvent, par exemple, informer et conseiller le gouvernement sur des besoins réels de la sécurité de la population. Parce qu'ils sont avec la population. Ils sont comme un poisson dans l'eau. Donc, ils connaissent mieux. Ils connaissent leur, leurs aspirations profondes. Et ils sont souvent leur porte-voix. Ils peuvent aussi, comme quelqu'un l'a soulevé, l'appropriation locale. Dans nos contrées, voici la société civile qui peut jouer un rôle de, de relais, un rôle d'interface pour pouvoir donc... Fait une appropriation locale de la stratégie de sécurité nationale. Ils peuvent aussi jouer le rôle de veille pendant les autorités redevables. Là où les députés auront peur de dénoncer, la société civile n'aura pas peur de dénoncer. Ils vont le faire et amener les autorités à être redevables devant la population. Ils peuvent effectuer des campagnes de plaidoirie pour aider même la, 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 la stratégie à, à s'enraciner sur les graves questions de sécurité et plus précisément sur relatives aux violations des droits de l'homme. Voici des gens qui sont à l'avant-garde pour protéger donc la population contre les dérives autoritaires. Et l'autre partenaire que je voudrais aussi euh, mentionner, c'est les partenaires techniques et financiers. Alors, voici des acteurs aussi assez importants dans la stratégie de sécurité et nationale, que ce soit sur le plan bilatéral ou multilatéral. L'action de ces partenaires sur le terrain influence d'une manière générale nos gouvernances donc dans le secteur de la, euh, de la sécurité. Et ça peut être positif, je prends le cas de programme comme SGI que je suis très bien qui en, en tout cas qui a qui impacte largement sur la gouvernance donc dans le secteur de la sécu, sécurité. Et un programme comme ACOTA, qui a permis ou qui permet en tout cas à beaucoup d'armées africaines de pouvoir euh, être efficaces dans les opérations de soutien à la paix et voilà donc voici des acteurs sur lesquels forcément nous aurons besoin donc pour pouvoir euh, et affiner notre stratégie de sécurité nationale. Mais, comme je l'ai dit, le problème réside souvent dans la conciliation des objectifs. Je prends le cas du Sahara, au Mali. Depuis qu'il y a l'attaque terroriste, rapidement, on se trouve avec plus de 11 programmes, 11 projets. 11 programmes, 11 projets. Et chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses objectifs, chacun a ses, ses intérêts qu'il vise. Et finalement, quand on regarde en fin de compte, qu'est-ce que l'État malien gagne? Qu'est-ce que le peuple gagne C'est parfois difficile à, à comprendre. Et je prends un autre exemple, comme la lutte contre le VIH-Sida. Ça, c'est encore un domaine. C'est vrai que c'est la sécurité sanitaire. Et où maintenant, on a une nouvelle catégorisation des populations. Avant, les populations vulnérables, c'était quoi Les femmes, les handicapés, les jeunes. Euh, L'armée même faisait partie des populations donc, vulnérables. Mais actuellement, on a changé la clé. Quand vous prenez la nouvelle catégorisation... Et ce classement est parti. On a maintenant quoi? Les, les, les homosexuels, les professionnels du sexe, la prostitution, les usagers de la drogue, les prisonniers, et tout ça au détriment des femmes. Donc aujourd'hui, nos associations qui aidaient la population à avoir donc les médicaments, les rétroviraux, n'ont plus accès. Parce que si vous n'avez pas et des associations d'homosexuels dans votre association, vous n'allez pas à avoir de financement. Ça, je le dis, c'est extrêmement important. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon, ça veut dire que nous n'arrivons pas à concilier nos objectifs. En sécurité nationale, nous devons faire en sorte que nos aides ne soient pas donc, une sous condition. Voilà pourquoi, pour moi, j'ai toujours dit une stratégie de sécurité nationale, nous devons être nous-mêmes capables de la financer. Les autres viennent pour ajouter un peu. Mais nous ne devons pas faire une stratégie et compter sur les gens pour pouvoir mettre ça en œuvre. Cela m'amène au deuxième point qui est donc euh, la plateforme de concertation et de collaboration qu'il faut mettre. Pour moi, il faut dans la stratégie être clair. Il faut d'abord définir les rôles et les responsabilités. Pour une bonne collaboration et concertation, il faut aller sur des bonnes bases. Il faut avant tout définir et répartir les rôles, les responsabilités de tous les acteurs et cette démarche va nous éviter les chevauchements, les dédoublements dans l'exécution des missions et dans la phase donc de la mise en œuvre. Donc il faut d'abord si nous sommes d'accord que la sécurité que nous entendons, c'est une sécurité plus large, qui c'est pas une sécurité seulement et qui vise à, à défendre et la sécurité de l'État, nous, nous devons accepter que les intérêts de la sécurité nationale soient un aspect important à prendre en compte, l'environnement géostratégique, les menaces et enfin les stratégies qu'il faut mettre en place pour contrer ces menaces. Et j'aimerais quand même parler un peu sur les stratégies à mettre en place. Ces stratégies peuvent se décliner en stratégie... Sectorielle ou en politique sectorielle que nous, dé, nous répartissons entre les différentes institutions et les organes de sécurité. Donc, selon le domaine, on attribue alors des responsabilités premières et secondaires. C'est la stratégie. Je crois que c'est M. Mariano qui l'a dit euh, à la deuxième session. C'est toutes ces politiques qui concourent à la sécurité nationale. Nous avons la sécurité militaire, nous avons bon, la politique de défense, nous avons la stratégie de sécurité alimentaire. Il y a tellement de stratégies qui concourent à la sécurité nationale et c'est tout cet ensemble. Et dans cet ensemble, dans chaque secteur, il y a un premier responsable et, et d'autres ministères qui viennent accompagner. Et je prends le cas de euh, la politique de défense. On ne va pas demander au ministère euh, de l'Agriculture de, de la politique de défense. On va remettre ça naturellement euh, au colonel-major Zanguina, voilà, qui est le directeur des études stratégiques euh, au ministère de la Défense du Niger. Par contre, la lutte contre le terrorisme, qui est assez transversale, j'ai lu euh, avec beaucoup euh, d'intérêt. La stratégie donc de la Mauritanie qui a été confiée au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Et c'est le ministère qui a développé cette stratégie. Et donc, vous voyez que chaque pays, avec sa particularité, attaque le problème. Donc, d'autres stratégies économiques, alimentaires. Voici une stratégie que nous oublions qui est pourtant importante. Il y a un lien intrinsèque, un lien inséparable entre... La sécurité alimentaire et la sécurité nationale. Un peuple qui a fait ne peut pas être docile, elle va se rebeller et ça va amener des troubles intérieurs et ça va toucher à la sécurité nationale. Et nous, souvent, nous oublions cela. Pour moi, la première des stratégies c'est la stratégie de sécurité alimentaire. Il y a une autre stratégie, et je reviendrai sur ce que l'honorable député de Nigeria a dit hier, c'est la culture. Alors je, peux nous dire, je peux vous dire, en tout cas pour les pays qui sont, sud, qui sont au sud du Sahara, nous avons déjà perdu cette bataille. La préservation de nos cultures et de nos valeurs nous avons perdu cette bataille. Pour moi, c'est la reine des batailles parce que sans la culture, sans nos valeurs, nous ne pouvons pas avoir de stratégie. C'est le socle sur lequel repose la stratégie, et je vais vous le démontrer vers la fin. Et si les pays d'Asie ont réussi, c'est parce qu'ils d'abord se sont concentrés sur leurs valeurs culturelles pour faire le décollage économique. Ils ont des valeurs le travail, la foi, la discipline du peuple. Mais malheureusement. En Afrique, nous assistons impuissamment à la disparition totale de nos valeurs Je ne sais pas si qui l'a dit, mais en tout cas, déjà, ça a déjà été dit dans, dans cette salle. Un autre élément rapide de, pour assurer une plateforme de collaboration, de concertation, c'est l'organe de coordination de la sécurité nationale. Je ne vais pas beaucoup euh, insister, mais dans l'architecture de sécurité nationale, nous avons la... la le Conseil de sécurité nationale, le rôle, les missions, les pouvoirs ainsi que la composition diffèrent selon les pays, je l'ai déjà dit. Mais dans la majorité des cas, il est composé des représentants des ministères de souveraineté, je l'ai déjà dit. Mais il est, le, il est présidé par le président de la République. Il y a des pays qui ont des conseils nationaux de sécurité, mais malheureusement, ils n'ont pas d'organe de coordination. Et qu'est-ce qui se passe Le président de la République étant le président du, du, du Conseil, est bien sûr, occupé et il délègue le travail d'autres personnes. Le problème, et généralement en Afrique, et général on me dira, on confie ses missions au chef d'état-major particulier. Et moi, j'ai dit non. Est-ce que la loi dit que le chef d'état-major particulier doit être le coordonnateur de la sécurité nationale Et c'est un amalgame. C'est un amalgame si la loi ne dit pas ça. Quand il y a un problème, qui doit aller répondre devant les députés, devant l'Assemblée, les élus du peuple C'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait donc des provisions constitutionnels qui disent que c'est le chef d'État-major particulier qui est le coordonnateur. Et souvent dans les pays francophones, c'est pas dit, et ils jouent ce rôle, et moi je trouve que c'est anticonstitutionnel, et je trouve aussi que c'est des héritages des régimes d'exception, et qu'il faut que depuis, nous nous débarrassions de cela. L'Agence nationale de coordination du renseignement, quelqu'un l'a dit hier, je crois que c'est mon ami du Maroc, le renseignement joue un rôle primordial et central dans l'architecture de la sécurité nationale. Il n'y a rien à faire. Le renseignement est au début et à la fin de la sécurité nationale. Donc, il faut mettre en place, pour moi, une coordination de ces organes de renseignement. Et ce n'est pas eh, une chose aisée. Et en dehors de cela, c'est même un autre défi c'est l'exploitation même de ce renseignement. Et je peux vous dire, j'ai amené un journal ici où euh, Jeune Afrique, grand frère Mathieu, je peux l'avoir. Au Jeune Afrique, fait référence à des notes d'information des services de renseignement par rapport à la mutinerie qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal que des notes de renseignement se retrouvent dans des journaux. Malheureusement, dans nos pays, on les retrouve souvent dans les journaux où parfois vous faites une note de renseignement l'autorité trouve nécessaire de photocopier ça et remettre à l'individu. Et vous, vous êtes exposé, vous êtes très mal à l'aise et il y a un problème de fond, il y a un manque de professionnalisme total dans tout ce circuit et dans ce cycle de renseignement dans beaucoup donc, euh, de pays. Il faut une passerelle pour moi entre l'exploitation de ces renseignements et la coordination de la sécurité nationale parce que, j'ai dit, et le, les renseignements c'est vraiment l'alpha et l'oméga de la sécurité nationale. Et, vous revenez donc au troisième point des principes de base pour une bonne collaboration. Je ne vais pas être très long. C'est la rapport à la recherche permanente du, du consensus. Le docteur Matt l'a dit dans son mot introductif. Et le processus d'élaboration de la stratégie, d'abord, c'est un, un processus qui se veut inclusif. On est tous d'accord. Et quand on dit inclusif, ça veut dire qu'il faut que tout le monde y participe. Donc, si nous, avons, nous arrivons à respecter ce processus, ça veut dire qu'en en fin de compte, nous allons avoir une stratégie consensuelle, une stratégie Légitime, une stratégie où tous les acteurs seront prêts donc, à soutenir. Si nous ne le faisons pas, après, on se rend compte qu'on fait une stratégie pour l'élite et qui ne défend ni les intérêts de la nation, ni vraiment eh, les, la vision donc, euh, euh, qui, qui, qui répond aux aspirations de la population. Ensuite, euh, il faut une culture de transparence et de bonne gouvernance. Ça, c'est un principe pour moi. Qui est cher à la bonne gouvernance et qui aide à prévenir les conflits d'intérêts entre les différents organes œuvrant dans le cadre de la sécurité nationale et aussi entre les individus. Il aide à, à renforcer l'efficacité et la responsabilité des services de sécurité dans la mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale et à aussi à améliorer la gestion des ressources. Alors, on, on se rend compte souvent que beaucoup de, de, de services se battent pour des missions. <laughs> Je vous dis, c'est le partage du gâteau. Quand le policier, le pauvre policier est sur l'axe en train de contrôler, ou le gendarme est sur l'axe en train de contrôler, c'est le racket, le racket et la corruption. Mais je peux vous dire que c'est ça qui est la source de conflits, souvent. Il, il, c'est un conflit parce que c'est une organisation mafieuse et qui est tellement bien huilée, et la chaîne parfois remonte là où vous ne croyez pas. Vraiment de là où vous ne croyez pas. Donc, vous allez appeler le courant de la gendarmerie ou le directeur de la police pour dire de, de, de faire arrêter les raquettes et la corruption. Vous avez perdu votre temps. Est-ce que l'homme fait partie du système ah, Il va appeler les policiers et dire C'est bien du courage. Et prochainement, la semaine prochaine, j'espère que j'aurai plus d'argent que ça. Mais il faut être discret et efficace. Donc, c'est extrêmement complexe. Donc, la stratégie pourra mettre beaucoup de lumière dans ça. Et ce principe. La transparence fera que et chacun saura ce qu'il doit faire. Et enfin, un, un cadre permanent de concertation. Ça, c'est extrêmement important. Même si nous avons des structures, une ossature, une architecture qui a, où il y a le Conseil national de défense, le Conseil de sécurité. C'est beau, toute cette architecture-là. Mais pour moi, ces deux structures-là, c'est des structures vraiment et, beaucoup, euh, plutôt de. Oui, il y a des rencontres périodiques, c'est vrai. Mais. Ça ne, ça n'a pas pour vocation d'assurer une veille stratégique permanente. Alors que la stratégie, il doit avoir une veille, elle doit avoir une veille stratégique. Il faut un petit noyau qui puisse donc euh, faire une, en tout cas une surveillance pour assurer la sécurité, une capacité d'anticipation. Ça c'est important. Une stratégie qui peut pas anticiper, c'est pas une stratégie. Une, strat une capacité de réactivité, pouvoir réagir. Il y a une stratégie qui est là, qui est bien écrite, qui est dans les tiroirs et qui peut pas Réagir quand il y a un problème, c'est ce pas une stratégie et une capacité de résilience et surtout une capacité de monter en puissance. C'est tout ça qui fait que nous devons avoir, en tout cas, une structure donc de veille pour créer un cadre permanent de concertation. Je dirais que la stratégie de sécurité nationale, c'est ce pas un document d'exercice. Je crois que ça a été dit ici, comme dans le tiroir. Nous avons des politiques de défense qui sont bien écrites, parce que là, j'ai essayé de lire beaucoup de nos politiques de défense. Je peux vous dire que nos politiques de défense, excusez-moi, c'est du copier-coller. Je prends la stratégie de défense du Bénin, j'enlève Bénin, je mets Burkina, en dehors des noms des villes, où on se rend compte que c'est les même chose. Ce n'est pas bon. On ne va nulle part comme ça. Et c'est ça, de la triste réalité. Et malheureusement, ces documents sont écrits ils sont posés. Et la poussière a tellement dépassé le nombre de pages qu'elles sont devenues tellement obsolètes. On refuse de les relire, on refuse donc de les toucher. Et ça, c'est un problème que nous devons voir. Alors, je terminerai par les grands défis. Ce n'est pas aussi aisé. Quand on parle de stratégie de sécurité nationale, c'est vrai, pour définir le type de sécurité déjà, c'est un premier point d'achoppement. Si c'est vrai que l'exercice de définition de la sécurité d'un pays semble aisé dans un contexte de post-conflit où il y a eu la guerre, où il y a eu des crises internes, où l'urgence ici c'est la paix et la réconciliation nationale, je peux vous assurer, mes amis, que ce n'est pas le cas pour les pays où il y a une relative stabilité, où les institutions fonctionnent très bien que mal. Parce que dans ces cas, nous avons trop de priorités. Et les priorités se disputent entre le renforcement de la stabilité intérieure, la démocratie, les droits humains. Le développement. Et malheureusement, dans nos pays, tout est prioritaire. Il faut choisir donc la priorité parmi les priorités, et c'est pas un exercice facile. Donc, je peux vous dire que dès le début de l'élaboration, on est confronté à ce problème d'abord de définition, du type de sécurité et de définition des intérêts nationaux. C'est vrai qu'on parle de ça ici facilement, mais dans la réalité, quand on s'assoit pour discuter, pour définir quels sont les intérêts nationaux d'un pays, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas aussi évident que ça. Parce qu'il y en a qui sont allés en guerre pour les intérêts nationaux de leur pays et on s'est rendu compte qu après que c'était pour leurs propres intérêts. Comment faire la différence entre les intérêts nationaux et les intérêts donc du régime, les intérêts des individus Ce n'est pas aussi évident qu'on le pense. Et dans la réalité, c'est des débats extrêmement complexes selon la concertation, l'équipe pluridisciplinaire pourra amener des approches et des perspectives différentes qui vont nous amener donc à pouvoir s'entendre ensemble. C'est ce que nous appelons intérêt national et pour, pour nos pays. C'est que dans des forums comme ça, les militaires vont toujours défendre la sécurité de l'État et les OSC et seront toujours là pour faire la promotion de la sécurité humaine. Et heureusement que dans la sécurité nationale, promotion je veux dire la sécurité humaine et la sécurité de l'État se réconcilient. C'est un niveau où ces deux concepts se réconcilier, heureusement pour nous. Un dernier aspect, c'est la volonté nationale. Tantôt, les gens parlent de volonté politique. Moi, je n'aime pas ce mot volonté politique. Moi, je préfère le mot volonté nationale. Parce que quand on dit volonté politique, on indique uniquement les responsables politiques. C'est eux qui ont tous les péchés, c'est eux qui ont... Le péché original, c'est eux, c'est eux qui ont, et, qui ont tout faux. Et nous, on se cache derrière. Et ça, c'est trop facile. Moi, j'entends par volonté nationale le degré de résolution que les citoyens d'une nation peuvent mobiliser pour supporter les décisions gouvernementales. Plus précisément dans le cas donc, dans le domaine de la sécurité et de la politique étrangère. Pour moi, c'est la base de la réussite de toute stratégie nationale. Et à la base de la réussite de toute stratégie nationale, elle englobe aussi bien la volonté politique des leaders nationaux que la disponibilité du peuple à accompagner les, les leaders. Alors pour atteindre cet objectif, moi, je pense qu'il faut avoir un peuple discipliné, un peuple fort, des forces de sécurité professionnelles, et un peuple donc, qui est soudé avec ses responsables sur des valeurs, des valeurs partagées, des valeurs acceptées. On aime prendre l'exemple le, du Rwanda, je vais prendre cet exemple encore ici, où ils ont décidé donc, de mettre en place une stratégie de lutte contre euh, l'importation et l'utilisation des, des sachets noirs, les sachets noirs. Et nous avons. Voici une politique que le Rwanda a réussi à mettre en place et qui a réussi à faire de son pays zéro sachet. Mais j'aime bien mon pays. Nous avons pris la même loi, mais n'avons pas pu le faire. Au contraire, ça a été euh, une opportunité de business pour les fraudeurs et les opérateurs économiques et, et qui ont utilisé ça et qui ont finalement pollué tout l'environnement avec les sachets noirs. Parce que comme on l'a interdit, ils ont trouvé un tuyau et maintenant c'est devenu la fraude. Et fraude errante, et, 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 et ça marche. Donc je pense qu'il faut, en tout cas, qu'il y ait une volonté nationale et un soutien du peuple pour pouvoir donc, euh, et atteindre et mettre en œuvre une sécurité nationale. Donc, pour conclure, je dirais que la stratégie de sécurité nationale est une entreprise éminemment politique qui engage toutes les composantes de la société. Ça, c'est le premier point. Et la recherche du consensus et la concertation permanente entre les acteurs. Sont des principes clés de succès pour toute entreprise de développement de stratégies de sécurité nationale. La volonté nationale, comme je viens de le dire, pour moi est la fondation sur laquelle doit se reposer la stratégie de sécurité nationale, parce que chaque acteur doit, à son niveau, jouer son rôle. Et l'aboutissement final de cette démarche, pour moi, est d'avoir une stratégie de sécurité nationale qui soit légitime, qui soit consensuelle, qui soit acceptée et partagée par toutes les parties prenantes. Je vous remercie.